Yo les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir 15 astuces, 15 nouveautés, 15 fonctionnalités d'iOS 14 qui, à mon avis, peuvent être utiles au quotidien, les 15 meilleures nouveautés qui me plaisent sous iOS 14. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouveautés, tests et astuces high-tech. C'est parti les amis pour les nouveautés iOS 14 et les astuces, les nouvelles fonctions. On y va. Donc tout d'abord, voilà, on a déjà présenté, c'est les widgets. Je vous ai déjà présenté une petite vidéo à ce sujet. On va passer à une fonction qui est passée au travers de beaucoup de vidéos. On peut s'apercevoir ici qu'on a une petite barrette. Et cette barrette, si on pose le doigt dessus et qu'on tire, on peut s'apercevoir qu'on va aller très vite dans le déplacement des pages. Vous pouvez vous apercevoir ici, c'est ultra rapide. Mais tout en restant positionné sur cette petite barrette, si vous posez votre doigt à côté, regardez ici, tout simplement, on a un petit effet waouh, puisque là, on a rassemblé toutes les pages qui sont sur notre iPhone, et vous avez, comme le titre vous l'indique, vous pouvez donc modifier les pages, et ça, c'est une fonctionnalité plutôt cool, que je trouve assez sympathique. Autre nouveauté sympathique, c'est Siri qui ne prend plus l'intégralité de votre écran. Lorsqu'on appuie sur son bouton, on a tout simplement un petit rond où Siri vous écoute. Je trouve ça assez sympa que Siri soit minimisé de cette façon pour avoir plus de visibilité sur notre écran d'accueil. Tout a été minimisé dans Siri puisque lorsqu'on envoie un message à Antonio. Que souhaitez-vous dire? Salut, je t'appelle tout à l'heure. Dois-je l'envoyer? Non. Très bien, je ne l'envoie pas tout de suite. Voilà, donc lorsqu'on va faire aussi un message, on peut s'apercevoir que Siri ne prend plus du tout l'intégralité de l'écran. Un petit encart se fait en haut de votre iPhone et vous avez un aperçu direct de ce que vous êtes en train de faire avec Siri. Ça, c'est plutôt cool. Gros avantage aussi avec Siri, pour envoyer un message vocal, on n'a plus besoin d'ouvrir l'application Message. On demande à Siri d'envoyer pour nous un message vocal. On va le faire ensemble. Envoyer un message vocal à Antonio. Entendu, j'enregistre. Salut Toto. Parfait. Dois-je l'envoyer à Antonio? Non. Très bien, je ne l'envoie pas tout de suite. Voilà, donc on est maintenant capable d'envoyer des messages vocaux directement à nos interlocuteurs sans avoir besoin à appuyer sur quoi que ce soit. Et ça, c'est une grosse nouveauté iOS sur Siri. Plutôt cool. Alors, une nouveauté plutôt sympathique, c'est dans Notes. Lorsque vous rentrez dans Notes, on va faire une nouvelle note. On va se mettre en mode dessin. On va choisir un crayon. Et lorsque vous allez dessiner un rond, un carré par exemple, vous ne lèverez pas le doigt. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser votre doigt au dernier trait. Par exemple, ici, si je fais un carré un peu chaotique, si je laisse mon doigt, on peut s'apercevoir que j'ai eu une super figure. Et regardez, par miracle, même en étant très maladroit au niveau des traits, on a des super traits. Ça, ça peut être super pratique, par exemple, lorsque je vais faire un triangle. Regardez mon triangle, comme il a été super bien fait. Alors, ça peut être super sympa. En cours, par exemple, pour ceux qui font des figures, ben, vous ne raterez plus jamais vos figures. Plutôt cool, non? Super sympathique aussi, c'est de pouvoir aller sur Safari, se mettre, donc rechercher une vidéo à partir de YouTube, puisque attention, le picture in picture ne fonctionnera pas sur l'application YouTube elle-même. Vous pouvez par exemple chercher une musique et les mettre en tâche de fond tout en continuant votre travail. Par exemple, ici, si je lance cette vidéo, on me demande si je veux la lancer dans YouTube, on va dire non. Tablette tournante. Voilà, donc la vidéo s'est lancée. Et si je swipe rapidement du bas vers le haut, je peux faire donc du picture in picture. Je peux déplacer sur les différents magazines. Donc les toutes. Je peux, si je le désire, augmenter ou diminuer la taille de cette vidéo. Franchement, c'est super sympa. Ceci fonctionne avec FaceTime. Vous avez donc des possibilités sympathiques de pouvoir utiliser le picture in picture avec votre iPhone. Plutôt cool, non? Un truc sympa que j'ai retrouvé aussi, par exemple, lorsqu'on rentre dans Réglages, si on va donc sur Général, si je me dirige sur Clavier, j'ai vraiment fait beaucoup de manipulations pour en arriver jusqu'à là. Et bien ici, tout en haut, si vous posez votre doigt
Vous faites un appui sur le bouton en haut à gauche, un peu plus appuyé. Vous avez un petit menu contextuel qui s'ouvre ici et qui va vous faire revenir, par exemple, directement sur la page d'accueil réglages. Et ça, c'est plutôt cool et rapide. On va rester dans réglages et on va descendre jusqu'à appareil photo, puisque là aussi, dans iOS 14, il y a une fonctionnalité qui est apparue très sympathique. On va la voir tout de suite ensemble. On va tout de suite rentrer dans appareil photo. Et dans appareil photo, c'est là où il y a quelques petites fonctionnalités sympathiques. Alors ici, on peut voir rafale en augmentant le volume. Ce n'est pas activé, on va l'activer. Et bien maintenant, ce qui est sympathique, avec le bouton volume haut, on va pouvoir donc lancer des rafales en photo. Plutôt sympa. Ici, on va tout de suite le tester, voyons. Et comme vous avez pu entendre, ça a vraiment balancé de la rafale, c'est vraiment cool. On reste toujours dans l'appareil photo et dans les réglages de l'appareil photo. Tout de suite, on va aller sur le mode miroir. Ça aussi, c'est sympa puisque lorsque vous faisiez un selfie, vous n'aviez pas la photo dans le bon sens. Et en cochant cette case, vous allez pouvoir avoir la photo dans le bon sens en mode miroir. Donc, ça se passe quelques lignes juste dessous le mode rafale. Vous avez ici mise en miroir de la caméra avant. On le valide. Et maintenant, lorsque vous allez prendre vos selfies, vous serez dans le bon sens. Nouvelle fonctionnalité encore. Apple essaye de concurrencer Google Traduction avec sa propre application Traduire et a développé sa propre application Traduction qui vient tout juste de faire son apparition sous iOS 14. On a donc les possibilités, alors des langues, il y en a tant et plus. On a donc les possibilités de traduction et on peut même télécharger les langues pour traduire lorsque vous voyagez dans d'autres pays. Ça, c'est plutôt sympathique aussi à voir. À avoir dans son iPhone, si vous êtes un grand voyageur bien sûr. Alors ce qui est génial aussi, c'est que lorsque vous naviguez et que vous recevez un appel, ceci n'est plus pris sur l'intégralité de votre écran. Vous avez un tout petit bandeau en haut qui vous dit que vous avez un appel entrant. Vous pouvez donc décrocher cet appel et sans problème, vous allez même pouvoir aller naviguer tout en discutant avec votre interlocuteur. Et ça, c'est plutôt un bon point aussi par rapport à iOS 14. Lorsque vous vous dirigez sur réglages, il y a une nouvelle fonction qui est nommée donc écran d'accueil. Et cette fonction est plutôt sympathique puisque lorsque vous allez télécharger des applications, vous allez donc soit demander à cette application d'être mise sur votre écran d'accueil ou qu'elle soit mise dans la bibliothèque d'applications. Et votre application apparaîtra dans cette bibliothèque. Plutôt cool et ça évite d'engorger votre iPhone de X applications sur X pages. Alors une petite fonctionnalité que j'ai remarqué toujours dans réglages, lorsqu'on va sur son et vibration, on rentre à l'intérieur, une petite fonction bien sympathique a fait son apparition lorsque vous avez vos AirPods ou un casque. Elle se nomme ici diminuer les sons forts. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez choisir le nombre de décibels, vous activez ce bouton de diminuer les sons forts et vous choisissez le nombre de décibels qui doit rentrer dans vos oreilles. Ça, c'est encore une fonctionnalité santé du côté Apple qui est plutôt sympathique. Voilà donc pour ces nouvelles fonctionnalités sous iOS 14 qui m'ont le plus plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir encore un peu plus, puisque je ferai d'autres vidéos. Il y a d'autres sujets à traiter sous iOS 14, Android et plein d'autres choses encore. Donc abonnez-vous, likez cette vidéo. Partagez-la avec vos amis et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir pris un peu de temps sur celle-ci. Prenez soin de vous et à très vite. Salut à tous.